reçu 10 euros.
parce que le son était dégueulasse, la vidéo aussi. Mais bon, vous avez aimé. Donc, et ensuite, avec le temps, ben, j'ai investi dans un micro 3DO. J'ai investi dans d'autres caméras. J'ai investi dans deux micros Blue Yeti. Voilà. Ça, j'ai investi récemment. Un ordinateur qui va sert à enregistrer. Et surtout, le plus bel achat que j'ai fait, c'est un ordinateur qui est assez costaud pour pouvoir faire traiter mes vidéos Photoshop et mes logiciels de montage vidéo qui me permettent de traiter des vidéos. Parce que ça demande beaucoup de puissance au PC de traiter une vidéo. Alors imaginez si la vidéo elle dure une heure. Hashtag vidéo d'une heure. Eh ben mon PC, l'ancien, il se mettait un PLS, tu vois ce que je veux dire. Du coup, bon. Le nouveau que j'ai, il gère. Donc c'est cool. Donc voilà. Bon, évidemment, j'ai un fond vert. Voilà. Voilà, tu peux pas le voir. Enfin, il est vert, quoi. J'ai un deuxième fond vert. Un fond vert qui va au sol pour faire des vidéos où je suis assis. Vous savez, des fois, je suis assis. Ben, j'utilise le second fond vert. Voilà. Après, il y a une tour, mais ça ne m'appartient pas. C'est ça, à ma compagne. Avec lequel elle fait des streams. Donc moi je lui pique pour faire des lives le soir avec vous, le mardi. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté de la mousse anti-résonante aussi. Voilà. Et surtout. Alors ça c'est pas très pro, mais au-dessus de moi, il y a. Je vous mettrai les vidéos en off. Au-dessus de moi, il y a, comment ça s'appelle, un Velux. Et juste à côté du Velux, il y a la bouche d'aération. Et elle fait beaucoup de bruit. Du coup, j'ai condamné le Velux. Donc, faire sur les photos. J'ai mis du scotch, j'ai mis des draps, j'ai mis des magins. Je l'ai comblé totalement pour plus que le son y passe. Et devinez quoi? J'ai réussi. Le son passe plus. Enfin, tout cas, plus de là. Bon, ça fait pas beau, hein. C'est vrai. Mais voilà. Je vous mettrai quelques images qui vont tourner pendant que je parle pour que vous voyez un petit peu là où je travaille. Voilà. Donc voilà, avec le temps, j'ai pu investir un peu pour que ce soit plus agréable pour toi, en fait. Hein, pour pas que t'entends des bruits dégueulasses, pour pas que la vidéo elle pique les yeux. Voilà. Je veux que tu te relaxes plus facilement et surtout tu prennes du plaisir à regarder mes vidéos. J'ai une mission pour toi. Ah oui, j'ai une mission pour toi. Je veux que tu me dises trois déclencheurs que tu préfères. Et peut-être que je le ferai. Ah oui, au fait, je vous ai dit que je parlerai de ma chaise. Là voilà la chaise avec laquelle je suis assis. Oui, parce que c'est. Ça graisse. Vous savez ce que c'est? Voilà, la magie. La chaise est réglée. Vous comprenez maintenant que c'est un peu de la paille, en fait. Alors, je l'ai pris. Cette chaise, ça fait très longtemps que je l'ai. Parce que je trouve que le bruit de la paille, moi, j'aime beaucoup. Lâche la campagne. Et du coup, bah, je trouve que c'est relaxant. Le fait que tu bouges, la paille qui suit. J'aime bien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Voilà. Et puis surtout, on est vachement bien. C'est peut-être pas. Il s'appelle
nous a dit oui, on peut pas accueillir tout le monde. Du coup, ils ont fait des sélections, on pourra pas tous y rentrer. Donc voilà, si vous voulez rentrer, c'est gratuit, vous pouvez réserver vos places sur Salon Zen à Paris. D'accord? Le lien n'y est pas dans la description parce que j'ai la gagne de le mettre. Pouvez vous-même, si vous êtes intéressé, faire la recherche Salon Zen à Paris et vous inscrire pour venir tout simplement nous voir. Voilà, on fera une conférence. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire pendant cette conférence? Ah, je ne sais pas. Je vais faire de l'impro peut-être ou pas. Non, je pense que je vais travailler, je vais essayer de réfléchir à vous dire des choses touchantes, des choses qui m'ont marqué particulièrement dans l'expérience que j'ai acquise grâce à vous. Ouais, je pense que je vais parler de ça. Et je pense que je vais aussi dire comment j'ai découvert l'ASMR. Mais un détail, vraiment un détail. Car faut savoir que c'est beau, c'est très beau comme je découvre l'ASMR. Pourquoi Tom ASMR? Donc moi, c'est tourné sur la confiance en soi, sur la psychologie. Alors que Paris ASMR est plutôt sur la sophrologie. Selmar, lui, est plutôt sur l'hypnose. Alinéa ASMR est plutôt sur le swing. Et donc il y en a plein qui m'ont dit, donc pourquoi tu t'es intéressé et as fait des études à la psychologie? Eh oui, pourquoi? Parce que étant jeune, j'ai eu une dépression. Et oui, une légère, mais j'en ai eu une quand même. Et j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qui sont arrivées à me tirer vers le haut. C'est pour ça que cette chaîne existe. Pour que vous, je vous tire vers le haut également, comme moi on m'a aidé. Ta sérénité fait ta force. Voilà. Et ça, j'en parlerai dans ma conférence. En tout cas, je te souhaite une excellente nuit.